aujourd'hui, on espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Oui. Oui, ça va même très très bien. Et je crois que Corentin, il est en mauvaise posture. Qu'est-ce qui t'arrive, Loulou? Bon, en fait, je vois Pie Face. Ah, Pie Face, mais c'est quel Pie Face? Le Pie Face canon. Et oui, le canon, le dernier, sorti de chez Hasbro. Donc, ben voilà encore une nouvelle façon de se faire enchantillé, on va dire. Non, non, pas enchantillé. Non. Sauf que cette fois, il a une particularité, c'est qu'on peut essayer d'éviter le tir de l'homme. Avec la main. Donc c'est vraiment quelque chose qui joue à deux pour le coup. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a quoi, t'as quoi, Océane, toi, devant toi? Un canon pour tirer la chantilly. Et puis Corentin a une grosse main pour essayer de l'éviter. Alors en fait moi là j'ai deux boutons. Et quand la main elle est de ce côté, et ben moi je dois appuyer sur le bouton du côté où la main elle est. Donc là j'ai appuyé, tac. Et là la main va changer de truc. Okay. Et là après quand tu auras la chantilly, ben là, ça va. Voilà, donc en fait c'est ça. Donc il y a deux boutons de chaque côté pour éviter. Ensuite on a un canon qu'on va recharger. On vous montre là comment on fait. De chantilly à l'intérieur pour tirer sur le visage de l'adversaire. Elle est là, la chantilly, oui. Elle est ici. Pas la chantilly. On a aussi une roue. Tu montres un peu la roue, Océane. Alors, là, c'est écrit Pie Face Canon. Voilà. Et en fait, cette roue, je vais vous montrer. Alors, comment elle fonctionne? Alors, par exemple, si on tombe sur le... on va commencer pour du plus facile. Sur le 1, et bah, regardez, le canon, il a des numéros au sol. Je ne sais pas si vous voyez là, on a des numéros. Ouais, on a le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1. C'est donc, pour la longueur en fait, oui, pour placer le canon plus ou moins loin. Alors, attends, donc si vous tombez par exemple sur le 1, donc 1, 2, vous réglez le canon large. Le plus près en fait de la cible, parce voilà. Que c'est sur la longueur là, numéro 1. Voilà. Là c'est sur 2. Et là c'est sur 3. Voilà. Et ensuite les couleurs elles servent à quoi? Et les couleurs c'est pour savoir c'est où viser. Soit là ou soit là, ou viser. En fait au milieu c'est quelle couleur pour viser tout droit? Au milieu c'est vert, donc c'est il faut tomber sur un 3. Voilà, pour viser sur la, donc pour mettre le canon sur la gauche, il faut tomber sur le rouge. Et sur la droite, c'est le bleu. Mais forcément quand il sera sur la droite, il va tirer à gauche. Et quand il sera à gauche, il tirera à droite. Voilà. T'as compris? Non, c'est trop inversé. Ok, bon, est-ce que vous êtes prêts à relever le Pie Face Challenge? Car combien de manches on va le faire? Bah, je sais pas, dis-moi. En 3. 3? Bon, c'est toujours 3 en principe, hein, comme ça au moins. 2! Bah, on dit 3? Ouais. 3. 3, allez. Oui, mais parce qu'après, si on a une ex-écho au moins. Alors, qui commence? Allez, qui met sa tête dans le petit bonhomme? Moi! Ok. Ouais, ouais. Toi? Ok, bon, bah, c'est parti. On est en place et pour commencer, on va mettre la chantilly à l'intérieur, donc on tire là, on ouvre la trappe. Oh, j'ai tiré, ok. Donc on tire là, hop, on tire la trappe. Voilà. Il va falloir recharger. Donc c'est parti. Bon, c'est pas grave, je pense qu'il y a la dose. On referme. On a des gros gourmands. On tourne la roue, c'est bon? Hop là! Un 3 en bleu. Un 3 bleu. Alors, bleu, c'est. Je sais pas. Bah, il est déjà, je crois. Oui, il est. Et un 3. Donc, quand on va se mettre là-bas. T'es prête? Vous le verrez plus, c'est pas grave. Vas-y, un 3, tu es déjà en 3? Oui, je suis déjà. Allez, attention! Attention, attention! En position, c'est bon, vous êtes prêts? Oui. On a rechargé le canon? Ouais, un bleu. Un bleu.
Allez. Non, ici. Alors, Océane, elle se met ici. J'ai déjà mis. Non, c'est pas bleu, là. Ah, voilà. Ici, là, ça en bleu. Et le 1. Voilà, c'est bon. C'est parti. Ah, attention, Quentin, tu nous dis quand t'es prêt. Hein. Oui. Ferme les yeux. C'est bon? Oui. Ah, loupé. Loupé. Ça fait 0 pour Océane. J'en ai pas pris sur le visage. Loupé. Bravo, Loulou, tu l'as évité. Alors, on continue à manger numéro 2? Oui. Oui. Allez, avec Océane. Manche numéro 2, allez, va Corentin, tourne là où? Donc là, j'ai fait au milieu. Un au milieu. Non, bah oui, bah là, j'ai fait un au milieu. Un au milieu? Ouais. Ouais, bon, ok. Trop fastoche. Bah, il y a déjà un au milieu, je crois, non? Ouais, et on est déjà sur le 1. Allez, on se met en face, et là. T'es prête? Est-ce que t'es prête? Oui! Bravo Loulou, donc ça fait 2 pour toi, 0 pour Océane. Donc on continue avec Océane, tu vas essayer de toucher ton frère cette fois avec la chantilly, tu vas essayer de l'asperger de chantilly. Allez, on peut tourner le jeu. Prends la roue. Moi, je prends. Allez Océane, on lance la roue. Moi. Ah, sur bleu. Un sur bleu. Donc j'y suis déjà sur bleu. Et le 1, je crois qu'il est déjà aussi. Ah oui. Non, là t'es sûr, regarde. Moi. Ouais, là, t'es sûr. Allez. Voilà. Attends, hop, attends. C'est bon. Bravo, Océane. Bravo, Océane, tu as marqué un point. Donc, ça fait 1-2. Ça va, t'en as pas beaucoup, hein. Bah non, là, je me suis penchée. Donc, on fait le manche numéro 3. Oui. Allez, manche numéro 3. C'est bon. Dernière manche, Corentin, tu peux tourner la roue. J'ai fait un 2 en vert. 2 en vert. Oh oh. Océane va se faire asperger. Hein, parce que tu sais ce que ça veut dire en vert. T'es prête? Oui. Bing, je t'ai eu. T'as loupé 3-1 pour Océane. Donc attention, rigole moins, Corentin, parce qu'Océane elle a pas marqué. Elle a pas fait son dernier essai. Donc est-ce que tu es prête à te venger, Océane? Ouais. On est en place, c'est bon? Oui. Allez, vas-y, tu peux tourner la roue, même bout. 2 sur bleu. Après, je le ré. Donc là, il a fou. Et je suis déjà. Vas-y. Arrête de faire ici. T'es prêt? Oui. Challenge. Alors on va se débarbouiller puis on fait la fin de la vidéo. Oui. Allez. Vous êtes un peu plus propre maintenant. Oui, ça y est. Et maintenant il va falloir nettoyer le jeu. Et on va passer à de la chantilly partout. Mais le principal c'est qu'on se soit quoi? Amusé. Et je crois que vous êtes bien amusé dans ce challenge. Hein. Ah, moi j'ai adoré mettre de la chantilly dans la tête de ma soeur. Et toi t'as bien aimé Océane? Oui, j'aimerais trop lui mettre de la chantilly comme ça. Alors dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez autant aimé ce challenge que Corentin et Océane. Et aussi dites-nous quel est votre pie face préféré
Et vous, les loulous, quel est votre pike face préféré? Le pike face canon. Le canon? Ah oui. Pas le duo, non? Le canon? Non. Non, pas le deux, les doubles, non. Non? Le canon. Ça y est, il a adopté celui-là. Ouais. Bon, franchement, moi, je le trouve super cool. Parce qu'en plus, là, oh, la détente, mais la chantilly. J'ai dû mettre de la chantilly sur les chaussures. Et en plus, t'as manqué ma bite, et bah toi, tu fermes les yeux, donc tu vois pas quand est-ce qu'elle appuie, donc là, la main... Et le fait de mettre la main devant, est-ce que c'est bien? Ça t'a sauvé la vie une fois, toi? Bah, regardez la main. Ouais, elle était comme ça, ça t'a bien protégé, hein. Oui, j'avais vraiment... Le concept est super sympa. Donc les loulous, bah dites-nous vraiment si vous aimez ce challenge. Ah. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre quoi? Petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous! Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait de gros bisous et on vous dit ciao, ciao les amis, bisous. La main, elle fait la taille de ma main. Bisous! Bisous!